Et bonjour YouTube. Nous sommes à Rocadune. Ça a l'air d'être très sablonneux. Parce que nous nous situons précisément ici. Ah, Rocadune, allez. Il va y avoir donc Rocadune, retour. Ok. D'accord, d'accord. Donc il y aura deux choses à faire à Rocadune. Et après on aura du vent, des orages et plus tard, de la lave. Je pense qu'on va s'amuser dans la lave. Oh, un squelette Rex. Bonjour. Est-ce que je suis là pour jouer? Oui. Si vous jouez le parcours, il faut venir à l'aube. Et oui, il fait bien trop chaud à Rocadune, actuellement, pour jouer en journée. Il paraît qu'il pleut beaucoup à Vallon-les-Flots et à Bois-Tempête. Mais ici, à Rocadune, le ciel est toujours d'un bleu sans nuages. Moi, je ne supporte pas la pluie, mais je peux comprendre les gens qui n'aiment pas que le soleil leur tape sur le crâne toute la journée. Cette chaleur, c'est insupportable. Heureusement, on se sent toujours offrir dans ma carapace. Il y a beaucoup trop de dialogues. Hop là, bonjour. Le... Ok, parcours désert, il me faut absolument un sandwich. Tu en auras besoin lorsque ta balle sera coincée dans le sable. Le parcours est aussi étendu. Tu as donc intérêt à emporter des clubs à longue portée, tels que un driver, un bois 3 et un hybride 4. Un driver, un bois 3. Il n'y a pas d'eau, on est d'accord. Hein. Et un hybride 4. Un hybride 4. Je vais partir sur ça. Hybride 5, non. Les fers, ils m'ont rien dit de spécifique. Et les putts. Peut-être ça. Je dirais désert, boue. S'il y a un peu d'eau. Je vais peut-être prendre ça par la suite. Ah non, il y a le sandwich là. Et oui. Donc, je vais enlever. Je vais enlever celui-là et on va changer de tenue. La boutique, elle est ici. Oui, je souhaite acheter une tenue. Ralentit la déshydratation. Oh punaise. D'accord, on est à ce point-là. Réduit la perte de vitesse dans le sable. J'achète. Et oui, parce que les fringues ne sont pas que de la cosmétique. Ça a une influence. Ensuite, améliore le contrôle de balles dans les bunkers. Réduit l'influence du vent. Oh, va y avoir du vent. Donne une trajectoire basse qui permet à la balle de rebondir hors des bunkers. Je vais partir sur ça. Je vais partir sur ça, ça me paraît le plus stratégique. Donc, équipement, direct la tenue. Tac. Driver, on ne touche pas. Les bois 3. Partir sur le bois 3 squelette Rex. Et après on était là-dedans. Je vais partir sur ça. Ouais, je pars sur ça. Allez. Et il me manquera combien? 1200. D'accord. Le Rocadune, l'ouragan n'a pas fait de dégâts, mais les tempêtes de sable semblent être plus fréquentes. Donc il y aura bien du vent.
Ici, on joue le matin. Selon une légende locale, les pics de température inhabituelle que nous subissons sont causés par un oiseau né dans les flammes. Il volerait inlassablement à travers le désert, chassant tout nuage et laissant le soleil brûler la terre. On dit aussi qu'il craint la foudre. On joue à Pokémon, non? Mais qui sait ce qui est vrai dans ces vieilles légendes? J'ai l'impression de jouer à Pokémon. J'ai terriblement envie d'aller à Bois Tempête, mais pour ça, je dois d'abord traverser le désert. Parce que pour se rendre là-bas, il faut prendre la route qui se trouve derrière l'oasis après le trou neuf. Pour jouer sur ce parcours, il faut absolument emporter de l'eau. Ah. Et ne pas oublier de faire une halte à l'oasis juste après le trou neuf. Les 9 trous du retour sont situés plus en altitude. Il y fait donc bien plus frais. On n'aura pas besoin de gourde. Bon, au moins on a une indication sur un truc intéressant. Donc quoi lire les dialogues, c'est important. Tout le monde raffole du speed golf. Donc ça sera du speed golf. À Rocadune, on transpire jour et nuit, c'est pour ça que les aliments sont enrichis en sels minéraux. Enfin, ils sont bien salés, quoi. Ok. Mais j'ai besoin d'emporter une gourde. La roue du nord mène au départ du retour. Avec ses quelques services, mais une inondation empêche de passer par là. Ok. Vers le retour de Rocadune par la roue du nord. Oui, monsieur Toad, j'ai vu, hein, je continue ma balade. Il y a des mascasses. Tu veux te rendre à Bois Tempête? Non. Tant mieux, parce que tu ne peux pas. On ne peut pas non plus organiser de tournoi officiel à Rocadune pour le moment à cause de la chaleur, mais on peut s'entraîner au speed golf. Nous ne sommes pas ouverts pour le moment. Alors il n'y a pas de starter sur place au premier départ. Va d'abord t'inscrire au comptoir à côté de la boutique. Ok, donc c'est vous qui m'a amené à Bois Tempête. Parcours principal. Practice. C'est vous qui m'a amené à Bois Tempête en chariot là? En caddie plutôt? En temps normal, on peut se rendre de Rocadune à Bois Tempête sans problème. Mais là-bas, il y a un énorme rocher qui est tombé dans la rivière et qui l'a fait déborder. Résultat, la route est inondée. D'accord. Et je suis censé pouvoir me procurer une gourde comment? Je t'ai parlé à toi? Ah oui. Rentrer dans le bâtiment. C'est dommage parce que dans le premier monde, il y a la notion de repos à l'auberge, c'était sympa en vrai. Bonjour Toad. Avec ton badge bronze, tu ne peux pas faire partie de golf standard, mais je peux jouer au speed golf. Cependant, nous avons des règles locales. D'accord. Oh, pardon. Je te propose de jouer d'abord une partie d'entraînement de speed golf. Ok. Ce sera une partie d'entraînement à 3 trous. Rends-toi au premier départ quand tu seras prêt. Désolé, petit coup de fil client, me revoilà. Oh, aucun problème, hein, fais ta vie. Terminez 3 trous avant que votre jauge d'hydratation ne se vide. Je vais t'expliquer les règles du speed golf de Rocadune. Les golfeurs du désert essaient de jouer aussi vite que possible sans se déshydrater, en apportant juste une gourde d'eau avec eux. Mais avec la canicule actuelle, si tu t'attardes trop longtemps sur le parcours, nous serons obligés de t'évacuer pour ta sécurité. Mais il y a tout un aspect sensibilisation sur ce jeu aussi, c'est assez drôle. Tu dois donc prouver d'abord que tu peux atteindre l'oasis assez vite. D'ici là, je ne peux te laisser jouer que des parties d'entraînement. Pour avoir un aperçu de notre façon de jouer ici à Rocadune, tu devrais emporter une petite gourde d'eau et aller d'abord jouer 3 trous. D'accord, il me donne la gourde. Okay.
Ouais, c'est pas mal. Ouais. On va voir ce que ça donne. Ok, on a quand même du vert. Je pensais qu'on allait être que dans le sable, mais ça va. Il y a des cactus! Il y a quelque chose derrière moi, d'accord. Votre hydratation diminue au fil du temps. Si la jauge se vide, vous perdez connaissance. Attention. Je suis à combien? Je vais supposer que courir, ça me fait dépenser plus de hydratation, non? Ouais. Je vais me prendre le cactus. Il bouge pas. Petit coup de tempête de sable. Ah, dommage. Okay. C'est pas grave. Je suis censé faire 3 trous. Ouais, virage. Attention. C'est quoi le gros truc derrière là-bas? Dans le sable. C'est quoi ce monstre? Sur le green. Ah, je suis sur le green, trop bien. Bon, j'ai pas mal d'hydratation, j'en profite, excusez-moi. Oh, des sables mouvants. Oh, je prouche, prouche, prouche. Oups. Oui, on s'en prend plus. Excusez-moi, je visite. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Le jeu devient bizarre. Hein. Un poulet de sable? Peut-être. C'est un nugget. C'est un nugget géant. Presque. Le jeu est quand même bien sympa parce que là, niveau hydratation, en vrai, je fais comme si c'était pas là. Ok, trou 3. Attention. Mesure de prévention tout droit. Non! J'ai tapé. Mon doigt, il a tapé trop vite. Je sais pas ce que ça va donner, je vais tenter. Un lit asséché. Je supposais qu'avant il y avait de l'eau ici. Trop fort. Eh oui. Oh, c'est passé à rien. On s'en fout, c'était pour jouer à l'hydratation. Voilà. Je ne suis pas déshydraté, j'ai joué, c'est fini.
Tu as fini ta partie d'entraînement, tu as fait attention à ne pas te déshydrater, bravo. En même temps, c'était pour se déshydrater sur ça, c'était chaud. Te voilà donc prêt à te mesurer aux 9 trous. Rends-toi au comptoir des inscriptions. Vous imaginez un crossover entre Question pour un champion et le golf. Et du coup, l'épreuve, ce serait le 9 trous gagnant. Tu mélanges les questions et le tir. Tu ne peux pas tirer si t'as pas répondu juste à la question. Ce serait drôle. Je tiens un truc, là. Tu as réussi à terminer une partie d'entraînement. Tu es donc mûr pour une partie de speed golf standard 9 trous. Oui. Le parcours ouvre à l'aube, il fait trop chaud. Bon, ben, on va se reposer au salon. C'est ça, le salon? Oui. Reposons-nous. Le parcours est ouvert. 9 trous, pas de déshydratation. Mais on a rempli ma gourde au moins. Bah, elle est là. Hein. Petite gourde d'eau là. C'est en... Faut juste du tir ou il faut... On est en compétition? Comment ça se passe? Ok, on est en compétition. C'est passé sur le cactus. Je suis sur le green? Non. Je suis dans le rouge. Un peu trop fort peut-être, non? Ouais. Mais ça va, c'est raisonnable. Il y a un léger vent. Pas que j'oublie que je suis en compétition. Hein. Ah mais c'est sur... On est sur de la compétition au niveau du temps. Pas au niveau des coups. D'accord. Alors c'est parti. Attention. Il a mieux visé que moi, je crois. Oh non! Il a mieux visé que moi. Yes! Je suis devant. Faut aller le plus vite possible, ouais. J'ai 10 secondes d'avance, c'est... Attention. Allez, cours, petit bonhomme. Vite. On est en pente. On tombe un petit peu sur la gauche. On tape. Oh, il y a un petit pont, j'ai pas vu. Je passe dans l'île de la rivière. Pas très très loin. Hein. Un peu trop fort. Ouais.
Dommage. Ok, on est bon. Là, on est bon. Je suis à combien maintenant? J'ai 20 secondes, 21 secondes d'avance. Par contre, pourquoi 9 minutes? Je comprends pas. Ça fait pas 9 minutes que c'est lancé. Attention. C'est quoi ce trou? Vas-y, je le tente. Il vaut mieux le tenter dans ce cas-là. Allez, vite, 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 vite. Ah, ça, c'est pas joué à grand chose. C'est pas joué à grand chose. Je crois que j'ai visé complètement à côté. Il me semble bien que j'ai visé bien à côté, ouais, c'est ça. Bon, ben là, Todd, il me met beaucoup trop d'avance. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je fais n'importe quoi. Il est pas... Todd n'a pas encore fini. Demi-tour. Demi-tour. Ah, Todd a fini. Punaise. Todd a fini. Double bogey. Ah ouais, ce qui m'a mis... J'ai voulu couper, j'aurais pas dû couper en fait. Je comprends pas comment c'est calculé. C'est en 9 trous. C'est rattrapable. Attention. C'est rattrapable. J'ai cassé le cactus. Ça m'arrange pas ça. Mais oui, forcément. Bon ben, je pense que c'est galère. Hein. Bravo Todd. Vite, vite, vite. Oh, je suis devant lui, je crois. Je suis pas sûr. Mais comment il fait? Comment il fait? On a fait la même chose là. J'ai pas tout capté, je pense. Il me manque des éléments du jeu. Attention. Ah, oh, je suis sur le green. Oh, punaise, non. Non! Bon, je suis devant. Mais de combien? Ok, il s'est planté. Et là, maintenant? Ouais, je suis pas convaincu encore.
Attention. Je me suis bien planté tout à l'heure. Ah, il a pas choisi le même chemin que moi. Non! C'est du sable mouvant. Est-ce que ça passe? Je ne pense pas. Et ouais, ça va tomber dans la fosse. Todd va reprendre de l'avance. Il a fini. Eh oui. Ah non, il n'avait pas fini. Todd n'avait pas fini, je pensais qu'il avait fini. J'ai pas l'impression que l'écart se creuse en vrai. J'ai vraiment pas l'impression. Hein. Attention. Allez, tout droit. On va bien se passer là. Mais pourquoi je vais dans ce sens là? C'est pas possible. Je peux remonter s'il vous plaît? Je veux juste remonter en fait. Voilà. Résultat, Todd, il va reprendre de l'avance. Voilà, Todd a repris de l'avance. Dommage. Joli pas. Va falloir refaire le parcours, je pense. Parce que là, c'est, ça devient incompréhensible. Sur la droite. Ça, je récupère. Le drapeau, il est là-bas. On peut tenter quelque chose comme ça, ouais. Il y a Todd, il a tenté un truc, il s'est cogné. Alors, faut pas que je vise trop. Faut pas que je vise trop loin. Faut pas que je vise trop près non plus. Ah, il est déjà là-bas. Il est pas passé par le même chemin, lui. Bravo, Todd. Et non, je suis avant toi. Je suis avant Todd. Mais je me suis planté. Ouais. J'ai pas pu rattraper. Tant pis. C'est passé quand même? Pourquoi? Pourquoi c'est passé? J'ai pas compris pourquoi j'ai gagné. C'est génial. Alors, il faut que j'augmente
route. Allez. Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu as terminé les 9 trous de l'allée de Rocadune malgré cette canicule. Eh bien, tu es un vrai dur à cuire. Jouer à Rocadune, c'est pas du gâteau. Pas facile de courir dans cette fournaise tout en faisant attention à ne pas se déshydrater. Pour réussir à terminer l'allée, il faut faire preuve d'une force et d'une endurance exceptionnelles. Moi, j'ai jamais réussi, chapeau. Il faut déjà du courage pour affronter les 9 trous de l'allée, mais les vaincre, c'est héroïque, légendaire. Il fallait juste faire les 9 trous, c'est tout. Heureusement que tu n'as pas mis plus de temps que ça pour arriver. Encore un peu et je me serai liquéfié au soleil. Malheureusement, les 9 trous du retour ne sont pas accessibles pour l'instant, alors tu vas devoir rebrousser chemin. Tu peux t'adresser au comptoir des inscriptions si tu souhaites plus de renseignements. Soit. Attendez, je suis où là? Ah, c'est pas la même zone. D'accord. Bois tempête. Vers l'allée de Rocadune par la route nord. Tu essayes de traverser Rocadune, risque de se voir, tu ne peux pas, la route du nord est inondée. Je peux aller à Bois tempête? Non! Demi-tour! Je voulais juste voir! Demi-tour! C'est du spoil ça, c'est pour après. Hop là, on s'en va, on n'a rien vu. Hop là. Je pensais que ça allait me bloquer le passage en fait. La roue du nord est complètement inondée, gros rocher, patati patata. Le green du trou 15 est aussi inondé. Je leur ai parlé à eux ou pas? Ouais, mettez-vous à l'ombre. Le trou 15, même s'il est plus en haut. Ok. Entre le trou 14 et le trou 15, il y a un chemin qui mène à la roue du nord. Mais tu ne pourras pas t'aventurer plus loin. Neuf trous du retour sont au nord du parcours et serpentent dans les hauteurs. Il y fait plus frais. Pas moyen de traverser ici pour se rendre sur le trou 15. Bien essayé de tricher, Scalerex. Je veux bien sorber, oui. C'est pas une mauvaise idée, ça. J'ai vu tout le monde ici. Je monte. Bonjour. Le coin de trésor. Coin au trésor. Un trésor caché par ici. Trou 13 aurait un trésor. Bonjour. Ah non, non, je voulais juste parler au cactus en fait, mais il veut pas me parler. Si tu veux aller jouer sur les trous du retour, il y a un sentier qui mène au trou 15. Et tu peux revenir en empruntant ce sentier en sens inverse. Tu m'as pris pour un golfeur, ça devait être un mirage. Tu devines pourquoi je suis ici? Non. Je suis un chasseur de trésors. Je cherche des reliques rares que je pourrais revendre à prix exorbite, à prix intéressant. C'est pas que j'aime pas le golf, mais ma plus grande passion, c'est de chercher des trésors. Je n'ai pas encore réfléchi à tous les détails, mais laisse-moi te dire une chose. Je crois que si on arrive à faire de l'ombre par ici, on trouvera l'orbe scintillant caché dans le coin. Mais je ne le répète pas. Je crois que si on arrive à faire de l'ombre par ici, on trouvera l'orbe scintillant caché dans un coin. Une orbe scintillante dans un coin. Ça y est, j'ai abandonné le jeu de golf, je veux chercher le trésor. Je peux pas sauter? Ah non. Pardon, je passe. Todd, toi. À Rocadune, le retour du parcours s'étend sur une zone de montagne rocailleuse pleine de dangers. Pour éviter d'envoyer sa balle dans un précipice, il est très important de jouer avec précision. Génial, ça va être...
des étages. Je te recommande d'emporter un bois 5 et un fer 7. Bois 5, fer 7. D'accord. Bois 5, fer 7. Un bois 5. Et un fer 7. Fer 7. D'accord. Est-ce que je souhaite acheter quelque chose? Oui, bien sûr. Je souhaite acheter... Annule l'influence du vent sur la balle, mais la rend difficile à contrôler. Ben, autant ne pas annuler l'influence du vent, c'est déjà difficile à contrôler. C'est dommage. Driver, banana fade, incurve la trajectoire du côté de la main dominante. Je les achète juste pour les acheter, mais... Voilà, sans plus. 1500. Sachant que dans la zone d'avant, j'ai pas tout acheté. Hein. Il me manquait un club. Tu as déjà entendu parler du lieu dit du coin au trésor? Non. Il paraît qu'un trésor légendaire repose sous le sable de Rocaduin. Et ce ne sont que des rumeurs. Mais ce ne sont pas que des rumeurs, il existe vraiment ce trésor. Si tu scrutes le désert de loin, tu verras quelque chose scintiller. D'accord. Il y a des trous légendaires à Rocaduin. Il s'agit en fait de 3 trous consécutifs qui forment le lieu-dit, le coin trésor. Donc les 13, 14, 15 quoi. Un truc qui scintille. Quelque chose qui scintille. Est-ce qu'on peut le voir d'ici? Ça c'est le parcours principal. Le coin vers le coin au trésor. Bon, d'accord, ok. Ça, c'est dit. Les inscriptions sont ouvertes pour le retour, mais il n'est pas possible d'aller au-delà du trou 14. C'est dommage, car le trou 15 est réputé pour son super panorama sur les hauteurs caractéristiques du retour de notre parcours. Si t'as envie de t'entraîner un peu, tu peux cependant t'inscrire au speed golf. Ça se passe sur les hauteurs du retour, il n'y fait pas aussi chaud que sur l'allée, mais il y a quand même une limite de temps. Tu veux tenter le coup? Bah oui. Prends-toi au portail. Mais avant ça, allons au coin au trésor. Vous ne pouvez pas aller plus loin pour le moment. Oh non. Dommage. Bon bah direction le portail. Il y a un temps limite pour chaque groupe de 3 trous. D'accord. Surveillez le chronomètre. C'est en montée. J'ai 11 minutes pour 3 trous. Oh, quand même. Le jeu est généreux. Hein. Vraiment que j'arrive à calculer ces tirs là que j'ai du mal à gérer encore. Pourquoi 2:48? J'ai pas mis 2 minutes 48. Attention. Oh punaise. Oh faut pas que je me plante. Y'a du vent? Ouais. C'est passé.
Demi-tour, oh. Dommage. Je perds plus de temps en fonction des coups. D'accord. Il y a une histoire de temps et de coups associés. Attention. Oui, je vais rester par là, c'est fait. Je suis dans le bunker là. Pas trop fort. Pas trop fort. Oui, c'est pas mal. Ok. Je suis dans le timer, ça va. Allez, direction les trois prochains trous. Attention. Ouais, l'idée c'est de pas taper. C'est pas faire trop de coups, sinon on perd plus de temps, je crois. Ça va taper l'arche. Non, ça va. Sur le green. Putt de birdie. Et presque. Joli pas. C'est quand même plus agréable à jouer que ballon les fleurs. Hein. Comme coup ça dans le bunker, non ça va, et là je suis sur le green normal, et non même pas, ah punaise, et là c'est trop fort, ah non, est-ce que ça ira pour le dernier trou de cette session de 3, j'espère. Ah c'est fini, d'accord, il y avait que 6 trous. Voilà la fameuse zone inondée dont tout le monde parle, allons jeter un œil de plus près. Oui en effet c'est inondé hein. Il y a un gros caillou. Ok, d'accord, j'ai compris ce qu'il va falloir faire. C'est pour ça que l'oasis sur l'allée du parcours est à sec.
Je me demande s'il n'y aurait pas moyen de briser ce rocher qui obstrue le cours de la rivière. Les drives sont devenus si puissants qu'une bonne frappe pourrait les faire sauter. Au pire, ça ne marchera pas, mais tu veux bien essayer? Je fais rien, c'est juste une cinématique. Wow. Oui. You, par ici. Les gamins, c'est toi qui viens de briser ce rocher géant avec un drive. C'était le plus beau swing que j'ai jamais vu. Je suis moniteur pro. Tu t'en doutes, des swings, j'en vois à longueur de journée. Mais celui que tu as frappé, il avait une de ses puissances. Waouh. Franchement, gamin, tu es une vraie force de la nature. J'aimerais savoir utiliser l'énergie comme ça. En tout cas, ça y est, la rivière s'est remise à couler normalement. Tout va pouvoir rentrer dans l'ordre. Voilà qui soulagera tout le monde. On va pouvoir rouvrir la route et tout. Je vais prévenir les gens en Rocadune. Bravo, Jack, tu as réussi. On va pouvoir à nouveau jouer sur le parcours de Rocadune comme cela était prévu à l'origine. Il faut que j'aille prévenir tout le monde qu'on peut à nouveau jouer sur les 18 trous du parcours. Ok. Et là, je reviens à Rocadune d'en bas. J'ai deux nouvelles pour toi. Quant à un éventuel tournoi ici à Rocadune, une bonne et une mauvaise. Ah, la mauvaise, c'est qu'un vrai tournoi reste impossible. La plupart des concurrents ne supporteraient pas les températures caniculaires. La bonne, c'est que pour les golfeurs qui ont prouvé leur capacité à jouer ici, nous organisons une compétition de speed golf sur 18 trous. Ce sera le défi badge de speed golf de Rocadune. Si tu en viens à bout, dans le temps imparti, tu obtiendras le badge argent. Tu y participes, au comptoir des inscriptions, etc. Maintenant que la route est ouverte, on peut accéder aux 9 roues du retour sans problème. Oui. Je vais y jeter un œil. Il y a cette histoire de trésor quand même qui me titille. Je sais pas combien. Est-ce qu'il y a des sous ou pas? Allez, j'achète. Et du coup, tout est acheté dans cette boutique là, d'accord. Mais est-ce que maintenant je peux accéder là-bas? Ça c'est la question. Et non, toujours pas. Dommage. Demi-tour. C'est vers où ça déjà? Parcours principal. Mais du coup ça là-haut c'était quoi? Parcours principal. Ah, par en bas, ok d'accord. Bois tempête, Rocadune. Est-ce que je reparle à tout le monde ou pas? Là-bas, c'est pour revenir à Vallon les Flots, je suppose. Bingo. Bingo. Sympa, merci Todd. Ça n'a peut-être rien à voir avec la vague de chaleur, mais tu vois le pic là-bas au nord, c'est le mont Névé. Comme le mont Névé, comme son nom le suggère, il était couvert de neige éternelle. Ah, jusqu'à ce que Bowser y installe une base. Je sais pas ce qu'il y fabrique, mais ça doit générer pas mal de chaleur. Toute la neige a fondu. Alors le nom ne collait plus du tout. Voilà qu'il y a de nouveau plein de neige là-haut. Ah bon? Alors, la boutique d'ici. Ouais, c'est ça, il me manquait 1200 pour le faire Bilbal.
mon collègue te l'a sans doute déjà dit, nous proposons à présent un défi de badge sur 18 trous. Allez, c'est parti. Pour chaque série de 3 trous, tu as une limite de temps. Direction le portail. 18 trous, hein. Chaque coup joué retire 30 secondes du temps imparti. C'est donc ça. Bulldozer, tiens bon. Il paraît que tu vas tenter d'obtenir le badge argent. Dire que nous, on arrive juste de Vallon et les Flots. Ah, vous étiez encore derrière. Oh, d'accord. Quand je suis arrivé ici, tout le monde ne parlait que de toi et de ce rocher que tu aurais réussi à dégager pour sauver l'oasis. C'est déjà célèbre. Nous étions tous des rookies au départ, mais là, on t'arrive pas à peine à la cheville. On compte rester un bout de temps ici pour nous entraîner au speed golf. Va falloir que je me trouve un banc de musculation. La fédération de golf conseille de s'entraîner avec quelqu'un qui connaît le parcours. J'espère que tu voudras bien nous aider. Bah, avec grand plaisir. Vous êtes mes camarades du début quand même. Oui. Bill n'a pas tort pour ce qui est de la force, il s'y connaît. Tu es très très fort vraiment. Allons sur le parcours pour nous entraîner. Allez, c'est parti. Petit vent en face, tout droit. Bon, faut juste aller tout droit, quoi. Juste aller tout droit. C'est une question de déshydratation. Attention. Non. Eh, mais il y a mes camarades. Je croyais qu'ils devaient aller s'entraîner. Alors, vu que chaque coup enlève 30 secondes, ça veut dire que j'ai 10, 20, j'ai 22, 23 coups. Sachant que je suis en train de... Comment j'ai fait pour sauter? De me déplacer à la base du... Mais j'ai sauté, j'ai pas compris. Pauvre Bou. Où est Odette? Droit, légèrement décalé. Attention. Le green. Non. Ah mais eux ils sont pas sur le green, moi. C'est quoi cette alarme? Bravo Bou. Ça va. Un peu de vent. Attention. Allez. On va éviter le sable mouvant. Comme ça. Comment ça passe?
Ah mince, mais maintenant il y a de l'eau. Et oui, je peux plus aller dans l'eau là. Tout à l'heure j'ai traversé. Mais maintenant je peux plus. Je suis obligé de prendre deux ponts. Sur le green, lui aussi. Pas mal ça. Oh non! J'ai mis un coup de plus que mes deux camarades. Mais je suis encore devant eux, ça va. Ça va aller dans le sable. Ouais, on va faire comme ça. C'est plus sage de taper un peu moins loin pour après retaper plus loin. Voilà. Et là, normalement, si je tape correctement, on est bon. Le green, non? Oui. Et oui. Oh non, sur le côté. Encore? Six coups. Ils vont me rattraper là. Et ouais, Bulldozer m'a rattrapé. Faut que je sois plus précis. Tout droit. Attention. Est-ce que je vais attendre? Ah bah j'ai tapé le cactus. Allez, tout droit. Désolé, Bou. Ah mince, je suis dans le bunker. Ah putain. Ah, ça m'embête un peu ça. Cinq. Ça devient difficile. Même vous me rattrape. Attention. Voilà. Lui il est tapé. Ah mais il est sur le green. Punaise. Il l'a fait en deux. Bah oui, tu m'étonnes, avec la force qu'il a, c'est normal qu'il fasse en deux.
Allez, on repasse aux trois autres trous. Attention. C'est tendu là. Et en plus, il a son coup spécial. Ah, il a pas visé pareil. Tu me dirais, Todd, tout à l'heure, sur ce parcours là, il a pas visé pareil. Non. Quatre coups, Bulldozer va le faire entrer. Ah non. Ah, il le rate encore. Eh bien, mon pauvre, qu'est-ce qui t'arrive ? Eh bien, Bulldozer, 7 coups. Bulldozer, il est à 21-33. Et du coup, ouais, il s'est éloigné de moi. Ça va. Alors, tout droit, légèrement sur la droite. Attention. Oh non! Ok. J'aurais pu te dire ça. Est-ce que je fais ça ou ça? Non, on va faire ça. Vaut mieux sécuriser. Je suis pas sûr d'être sur le green. Ah yes. Lui non, moi aussi. C'est quoi ça? Ça m'a déconcentré. 4 coups. 5 pour Bulldozer. Bulldozer qui passe derrière Boo qui passe devant Bulldozer. Ah, pas c'est pas énorme quand même. Allez, le 9e trou. Attention. Je crois qu'il vaut mieux pas être dans la zone de boue en fait. Je viens de voir son AOE. Pas envie d'être dans la zone de boue. Bien, à nous. Soit je fais ça. Non, on va faire ça plutôt. Hein. C'est plus sage. Ah non, mais tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait, je me suis trompé. Ok, petit coup. Ça suffira pas. Hein. Eh oui. Allez.
Bon, là, normalement, ils reprennent de l'avance. Je suis en 6 coups. Bou en 5. Bulldozer peut le faire en 5 aussi. Voilà, il le fait en 5. Allez, je reprends 30 secondes dans les dents. Voilà, boulot fini. GG Drago. Il me reste encore 9 trous. Faut que je fasse attention, c'est serré en vrai. C'est serré. Hein. Trou numéro 10. On est sur du tout droit, puis à droite. Attention. Ah, il m'a fait sauter par-dessus le cœur. Ça passe? Ça devrait passer. À moins que je prenne le cactus. Ah, je suis sur le green. Parfait. Rien. Ok, j'ai fait un 4. J'aurais voulu en 3, ça c'est vrai. Ça se joue que sur le temps. Ouais, là c'est que sur le temps. Sachant que à chaque fois que je fais un coup, je prends 30 secondes dans les dents. Bon, pareil pour eux. Ah, j'ai fait moins que ça va. La boue, il a pris une minute par exemple. En plus. Donc là, on est avec. Ça se creuse, hein, ça se creuse. C'est pas mal. Et là, faut que je fasse attention à ce fichu pont en plein milieu. Attention. Sauf si je vise très fort. Ah, bah attendez, j'ai mon pouvoir. Pourquoi m'embêter? Voilà. Je suis sur le green. Dozer non, mais bou. Légèrement en pente. Petit vent. En 3 coups. Bou a fait un 3. Bulldozer le fera en 5 ou 6. 5. 5. Donc lui là il prend une minute. Dozer qui repasse derrière Bou. Ça va, je creuse l'écart. Mais il faut pas que je me trompe. C'est pas fini. Tout est jouable pour tout le monde. Il est affreux ce parcours. Faut pas se tromper. Hein. Attention. J'allais par là. Et en plus, il utilise son pouvoir. C'est quoi son pouvoir exactement? Allez, je sais pas. Hop là, les pièces. Bonjour, vous. Là. Si je la joue bien, ça va là. De manière, j'ai pas le choix. Il faut absolument que je la joue. Où est-ce que je vais atterrir? Un bunker. Ouh.
Ah, pas mal ça. Sur le green, un peu loin, mais sur le green quand même. Pas assez fort. Ouais. Cinq au bout, Dozer il a 6. Pour l'instant ça va. Je pourrais faire mieux, mais bon, pour l'instant ça va. Allez, il reste 6 coups. Ok, tout droit. Attention. J'aurais peut-être dû attendre avant de tirer. Non, ça va. J'étais pas dans la zone de. Hop, 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 mieux faire. J'étais pas dans la zone de boue, ça va. Tout à l'heure, la technique, là, c'était bien intéressant. De passer sous l'arche et pas de passer dessus. Hop là, sur le green. Oui! En 3 coups! Chouette! 4 pour Dozer, 4 pour Boo. Ah, le petit bunker en plein milieu, vicieux. Ok. Attention! Aller en plein dedans. Oh, j'ai visé, j'ai touché sa balle. D'accord. Bowser, il est dans le bunker. Il est dans le bunker. Moi, je vais y aller dans le bunker, là. Ah. Je vais y aller bien comme il faut. Vas-y, on va tenter quelque chose comme ça. J'espère toucher la falaise. Ouais, on va faire ça. Faut espérer ne pas être trop dévié là. Je suis sur le green? Ouais. C'est légèrement en pente. Oh! Oui, si, c'est bon, ça va. J'ai cru que ça passait pas. C'est bon. Quasiment 4 minutes d'écart. Là, on n'est pas sur les mêmes départs. Attention. Mais c'est le trou caché celui-là, celui qui était tout inondé tout à l'heure. Et on y va comment? J'ai failli tomber mon grand. Hop là. Ah, je suis même pas sur le green. Oh. Voilà, petit coup. Ok, il fallait viser plus fort.
Là, c'est nul. Bou, il a fait en deux coups. Oh. Bou, il a fait en deux coups. Bon, je reste devant, mais j'ai perdu 8 minutes 30. Hein. Allez, les trois derniers trous de ce 18. Soit on passe tout droit, soit on passe en bas. Non, faut pas passer en bas. Il ne faut pas passer en bas du tout. Attention. On est tous passés pareil. Ça c'est pas mal. Sur le green ou pas? Ouais. Sur le green. Putt de birdie. Il y a du vent, légèrement. Non! J'aurais dû attendre. Je récupère toutes les... Bon, je récupère pas toutes les pièces. Dégoûté. Et voilà, je me retrouve avec une minute d'écart seulement avec Bulldozer. Et quelques secondes avec Bou. Faut pas que je fasse d'erreur sur les deux derniers trous là. On est sur du tout droit. Wow, ce parcours. Attention. Il y avait pas un trésor caché à un moment donné, ils avaient dit. Il y a un truc derrière dans le ciel. Un truc dans le ciel. Non, je sais plus. J'hallucine. Mais ils avaient parlé d'un oiseau quand même. Oh non, je me suis mis là. Bon bah à fond. Je pensais que j'étais plus au-dessus encore. Mais non. Non, 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 non. Non. Ah, zone à pénalité, ça va. Bah ça va, pas vraiment, mais ça va quand même. Je vais taper par là. Je sois sur le green. Voilà. Je sais pas si j'ai perdu beaucoup de temps. Il y a 7 coups. Aïe 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 aïe. Égalité avec Bou. En temps total, je suis quand même devant, mais pas de beaucoup, je suis devant de 10 secondes. Il faut absolument que j'égalise Bulldozer ou que je lui passe devant. Dernier trou. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Faut passer au-dessus, puis après en dessous, c'est ça. C'est le mieux. Hein. En prenant le risque de passer dans... comment ça s'appelle, dans les sables mouvants. Ok. Attention. Ok.
dedans. Je suis là où je voulais aller. C'est très bien. Et maintenant. Ah punaise, ça suffira pas. Ça suffira pas du tout. Où est ma balle? Là-bas. Ils sont passés entre. Ah, il est déjà sur le green. Et je suis dans le bunker en plus. Aïe aïe aïe. Ça va être tellement dédié. Ah non. Pas forcément. Demi-tour, demi-tour, demi-tour. La balle est derrière. Je pense que je l'ai perdu celui-là. Il y a 4 coups. C'est mon 5ème coup. Égalité avec tout le monde. Ça va. En fait, j'aurais dû passer par un bas. Égalité avec tout le monde et... Oh non, à 4 secondes près, c'est Bulldozer qui gagne. Parce que j'ai trop réfléchi. Bon, c'est pas grave. L'idée, c'était quand même de pas cramer tout le temps. Donc, je passe. J'ai quand même le battu. Allez, prends 3 niveaux. Augmenter la puissance, augmenter l'endurance, augmenter les effets. Tu as merveilleusement bien joué, Jake. J'ai suivi ton jeu sur tous les trous. Tu as totalement maîtrisé ce parcours aux conditions si difficiles. Je sais pas pourquoi toi t'as ces doigts. Après cette superbe démonstration de golf, j'ai le plaisir de te confirmer que tu as gagné le badge argent. Voilà qui va t'ouvrir de nouvelles voies dans le monde du golf. D'ailleurs, à ce propos, tu peux du coup aller maintenant jeter un œil au golf de Bois Tempête. C'est un parcours réputé difficile, voilà qui devrait représenter une épreuve à la hauteur de ton talent. Oui. Mais avant ça, la boutique. Oui. Parce que j'avais pas acheté ça tout à l'heure. Même si le vent, au final, il n'a pas tant d'influence que ça pour le moment. Ce risque de fortement de changer en allant à Bois Tempête. Vers le retour de Rocadune par la route du Nord. Oui, c'est ce qu'on va faire. Je vais pas aller à Bois Tempête aujourd'hui. On est sur la fin du stream. Parce que sinon, on y est jusqu'à 19h. Et vu qu'il faut stream après cet après-midi, on va rester sage. Vers Bois Tempête. Par contre, on va aller jeter un œil. Déjà vérifier la boutique, je crois que j'ai tout pris mais j'ai un doute. Mais on va aller jeter un œil quand même à cette histoire de trésor. Ouais, j'avais tout acheté. J'avais bien tout acheté. Vers le coin au trésor, oui. Vous ne pouvez pas aller plus loin pour le moment. Oh, pourquoi ? Ça parlait de quelque chose qui scintillait tout à l'heure. C'est bizarre. Bois Tempête, c'est là-bas. Et oui. Sur ce, c'est ici que je vous laisse pour cette session de Mario Golf. On va aller sur le menu. La prochaine fois, donc demain, nous irons à Bois Tempête. Jeter un œil à ce qui nous attend. Dans, je suppose, beaucoup de vent, d'eau, de pluie, de boue peut-être. On verra comment ça se passe. Menu principal.
Dans les menus match libre et défis, vous en solo, vous pouvez déjà dès à présent jouer à Rocadune. Et à Bois Tempête. D'accord. Oh, que c'est sombre. On va s'amuser demain. Je vous retrouve sur Mario Golf demain après-midi. Soyez au rendez-vous. On ira jeter un œil à Bois Tempête. Sinon, ce soir, c'est mardi Vassande parce que nous sommes mardi. Donc, c'est jeu en communauté. On va jouer au petit bac. On va faire un petit bac. On va essayer de développer un peu le vocabulaire. Un peu de culture aussi au passage. Avec les camarades, les réguliers. Mais si vous voulez participer, rejoignez le Discord. Mettez-nous un petit mot dans le canal mardi Vassande pour vous inscrire pour ce soir. Pour jouer avec nous. Et ça sera bien sûr en stream à suivre dès 21h. Soyez au rendez-vous. Sinon, Mario Golf demain, je l'ai dit. Jeudi après-midi, Mario Golf. Jeudi soir, du code de la route. Je rappelle que nous avons bien tous dans l'équipe et toutes le code de la route. Mais une petite mise à jour, ça ne fait pas de mal. On apprend aussi des nouvelles choses parce qu'entre temps, il y a eu des réformes. C'est toujours bien de se tenir au courant de tout ça. Vendredi après-midi, probablement Super Monkey Ball la suite. Et c'est très difficile. Et si Rage Kit, on reviendra encore une fois sur Mario Golf. Samedi off, parce que samedi vaccin, donc off. Et après la semaine prochaine on verra. Suivez les réseaux Yvastand bien entendu, abonnez-vous à la chaîne, suivez les réseaux, rejoignez le Discord, participez au crowdfunding. Je tape dans le micro. Les liens sont un peu partout, vous pouvez les trouver facilement. Et n'hésitez pas à venir passer sur Discord, ne serait-ce que pour papoter avec nous. Bonne fin d'après-midi, à ce soir, prenez soin de vous cordialement, bisous.